Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes vendredi 5 mai 2023, comme chaque vendredi. Mina Abed nous rejoint. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va? Le café est bien chaud? Oui. Sahtak. Oui, c'est le mec. On reprend les bonnes habitudes. Hein? On reprend, oui, juste après Ramadan, moi j'ai Juste repris. après Ramadan, hein? On reprend les Exactement. bonnes habitudes. Pour l'alimentation, tu reprends Ça va. Non, non, convenablement. ça va, c'est pas. Non, non, non. Ma métage. C'est Voilà, le plus trois important. repas par jour. Combien de repas par Trois jour? repas? Non. Trois repas, petit déjeuner, Ah oui, déjeuner, avec le petit déjeuner. dîner, avec un petit goûter, Ouais, peut-être une petit goûter, collation. non, pas de collation. Peut-être Pas un de verre de collation. lait, mais sans plus. Voilà, donc tu reprends finalement un régime alimentaire plutôt Non, équilibré, non, ça plutôt va. organisé surtout. J'essaie, oui. Tu te poses des questions? Pourquoi je te pose ce genre de questions de beau matin? Bah oui, c'est. Pourquoi tu me poses ces questions là? Eh bien, parce qu'on va en parler ce matin. Ah. Eh bien voilà, on va en parler ce matin parce qu'on va recevoir un nutritionniste ce matin et on va revenir un petit peu sur comment reprendre un régime alimentaire équilibré, organisé après le mois de Ramadan. Ça fait quand même 14 jours hein, Mine de rien, oui, que ça nous passe avons vite, hein. fêté l'Aïd. Donc Ouais. ça fait environ 2 semaines que nous avons fêté l'Aïd, que nous avons eu quand même un mois assez béni. Et généralement, après Ramadan, il y a deux choses qu'on a du mal à régler, l'alimentation et bien sûr Le le sommeil, sommeil. Donc, ce sont vraiment exactement. deux choses qu'on a vraiment du mal à régler. Et ça se fait pas quelques jours après. Hein. Donc, ça prend quelques semaines parfois pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes. Moi, non, non, Voilà. moi, le sommeil, je sais pas, c'est psychologique. Dès que, voilà, dès que la Ramadan, hop, j'ai Ça, c'est Docteur directement. Benachno qui va être content d'entendre Oui, j'ai ça. directement repris un rythme normal. Justement, c'est Docteur Benachno parce qu'à chaque fois, il nous dit que le cerveau est une machine extra. Non, Ordinaire, non, il mais c'est comprend vrai, très hein. vite ce qui se passe, il comprend très vite les changements. Exactement. Et effectivement, donc ça peut être psychique, mais certaines personnes, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à reprendre le rythme. Et ben, on va en parler ce matin, reprendre un rythme alimentaire équilibré, organisé, Oui. surtout, donc revenir aux trois repas par jour, plutôt équilibré, plutôt organisé, le grignotage. Surtout que les gâteaux de l'Aïd, il vous en reste à la maison? Oui. Oui, et ben voilà, c'est surtout ça hein, aussi qui peut perturber un petit peu Ça l'alimentation. Hein. perturbe beaucoup. Beaucoup. La Oui. tentation, Moi, j'avoue, les premiers jours, oui, j'avoue. ouais, la tentation, elle y est toujours, hein. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est Eh ben énorme, la voilà. tentation. Donc, comment reprendre un régime alimentaire sain, équilibré? Ce sera l'une des thématiques que nous allons aborder ensemble ce matin en compagnie de notre invité, toujours sur le registre santé. Il y a aussi un autre fléau, hein. C'est l'automédication, c'est la prise de C'est vrai. médicaments à outrance, consommation de médicaments de façon vraiment irrationnelle. Alors, dès qu'on a un mal à la tête, allez, on y va pour un paracétamol, n'est-ce pas? Je connais des personnes qui prennent carrément des antibiotiques, Des hein. anti-inflammatoires. Des anti-inflammes. Allez, j'ai mal au dos, J'ai mal au anti-inflammatoire, dos. petit Bon, rash-boudin en même temps, ça dépend anti-inflammatoire. du mal, hein. Ça dépend de la Ouais. douleur. Oui, mais bon, après, ça devient finalement comme un réflexe très systématique, hein, finalement. Parce qu'en fait, on a peur de la douleur, on a Oui. peur d'avoir très très. Enfin, on a peur que la douleur s'installe. Dès que la douleur Oui. s'installe, c'est foutu. Oui, c'est Donc, vrai. on préfère, on se dit, allez, je prends des précautions, je vais prendre un anti-inflammatoire. Voilà, je préfère ne pas souffrir aujourd'hui. Et voilà, et Voilà. après, c'est vrai qu'on soulage la douleur, mais à Mais côté, exactement. finalement, on va Il y a toujours des provoquer. conséquences à Voilà, côté, on va surtout pour. provoquer d'autres Ouais. conséquences. Souvent, ce sont des conséquences donc irréversibles. Hein. Et justement, c'est Exactement. Dr Benachno qui nous propose cette thématique ce matin, la consommation irrationnelle de médicaments et surtout quelles sont les retombées de cette consommation irrationnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place, donc pour ne pas aller vers la consommation donc de médicaments à outrance et surtout sans avis médical. En fait, toute la dangerosité Exactement. réside ici. Nous parlerons également ce matin de patrimoine, très très belle exposition qui se tient en ce moment, une exposition collective, elle se tient du côté de Zeralda. Tu l'avais annoncé d'ailleurs Oui, hier. je l'ai annoncé hier. Ça a commencé hier Ça a d'ailleurs, hein. commencé Ça a hier et ça commencé va se hier. poursuivre jusqu'à demain. Oui. Voilà. Les Voilà. dates. Oui, Jusqu'à jusqu'à demain. demain. Voilà, jusqu'à Jusqu'à donc 3 demain. jours, très très belle exposition qui réunit plus d'une cinquantaine d'artisans qui se tient du côté de Zeralda. Une artisane, une exposante sera parmi nous ce matin pour revenir un petit peu sur son travail et sur cette exposition. Donc l'exposition est intitulée Mon patrimoine, mon Mon identité. patrimoine, mon identité. Il y aura même des ateliers pour les enfants aujourd'hui et demain. Ah ben voilà. Voilà. Et ben voilà. Et toujours donc parlant de patrimoine, nous nous intéresserons également au patrimoine africain ce matin. Mina, Plaisir. quelle belle civilisation, Magnifique. n'est-ce pas? Il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce Beaucoup, qui te marque beaucoup. le plus dans le patrimoine africain?
tellement de choses. Tellement de choses, tu me dis. On ne peut pas, c'est pas possible de choisir. Il y a énormément de quelque chose qui marque comme ça. Pour moi, par exemple, ce qui me marque le plus dans le patrimoine africain, c'est les masques. Oui, il y a les masques, il y a les tenues, il y a les traditions, les danses folkloriques. Tellement de choses. Oui. C'est difficile. C'est vrai que les masques sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ils sont expressifs. Mais alors, puis la matière, le bois d'ébène, exactement. Un bois noble. Et pour chaque cérémonie, il y a un masque spécifique. C'est pour chaque jour de la semaine, spécifique. Pour chaque mois de l'année, il y a un masque spécifique. Voilà, c'est expression, mais c'est des tenues, c'est des danses exceptionnelles. C'est des plats, c'est des... C'est tellement riche et juste. Exactement. Nous célébrons la journée du patrimoine africain. Une très belle exposition se tient en ce moment pour revenir un petit peu sur la promotion de ce beau patrimoine africain, aussi riche, aussi diversifié, aussi grand que le continent lui-même. Et nous allons revenir ce matin sur ce patrimoine. Et bien entendu, nous parlerons ce matin de l'actualité sportive du moment. Mm-hmm. La CAF. La CAN. La CAN. Oui. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Nous parlerons du match qui se déroulera aujourd'hui. Ce sera donc Algérie-Congo et c'est notre amie donc Sarah Darbel qui sera parmi nous pour nous parler un petit peu des préparatifs du match de ce soir. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci à Faïza Wadi qui l'a programmé. Oui, concocté pour nous. Oui. C'était quoi déjà le terme ? Préparé pour nous. Préparé pour nous. Mais sinon, il va faire toujours aussi beau que cette semaine. Oui. Toujours aussi beau que cette semaine. Toujours aussi beau, oui. Voilà, toujours des températures printanières. On l'a ressenti de toute façon ce matin en venant. Il a fait un petit peu frais ce matin. Un petit peu frais ce matin. Mais ça reste quand même un temps plutôt printanier. Exactement. On le sent. Tu nous donnes un peu plus de détails, Mina ? Avec plaisir. Parfait, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, ma'an, nasna al-mustaqbal. Une carte plutôt ensoleillée. Oui, beaucoup de soleil pour aujourd'hui. Voilà, beaucoup de soleil pour aujourd'hui. Des pluies à l'horizon. Quelques gouttes, Quelques gouttes. Ce sera à partir de ce soir. Inch'Allah. C'est ce qu'on espère. En tout cas, on espère. De toute façon, il fait bon en ce moment parce que c'est il vrai que la bon. Semaine dernière, c'était quand même des températures assez caniculaires. Oui, il a fait très chaud vendredi dernier. Je crois que c'était vendredi dernier. C'était le pic. On est arrivé à 40 degrés à l'ombre. On a largement dépassé les 40 degrés. On a largement dépassé les 40. Là, on revient quand même à des températures plutôt saisonnières. Inch'Allah, bientôt tu nous annonceras. Et puis déjà, tu nous as dit quelques gouttes peut-être pour quelques gouttes de pluie ce soir. Oui. Inch'Allah. Un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil de la brume ce matin sur l'ensemble des régions côtières. Et puis un ciel plutôt voilé en journée. On aura des cumulus qui vont se former cet après-midi vers les régions intérieures avec quelques pluies à partir de ce soir vers l'intérieur ouest, centre et les Aurès. Sur la partie sud, on notera beaucoup de soleil sur les oasis, le Sahara central, l'extrême sud, l'Ogar, le Tassili. Et puis bien sûr, on notera de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 28 degrés. Du côté d'Alger, 27 degrés à Ouran, 25 degrés à Annaba. On notera 35 à Ilizane, 33 degrés à Tizi Ouzou, 35 degrés à Rardaya. 39 à Béchar, Tindouf, 44 degrés à Dara, 42 à In Salah. Et enfin, 44 degrés à Borj Badimourtan et Ingezam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 50 km/h vers les côtes ouest et entre 20 et 40 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Eh bien, beaucoup de pluie. Londres, Paris, un ciel voilé du côté de Rome ou encore Vienne, Istanbul. On notera des pluies également à Moscou. Côté température, on notera 23 degrés à Lisbonne, 28 à Madrid, 21 degrés à Paris, 18 à Londres, 23 à Vienne, 19 à Berlin et enfin 16 degrés à Istanbul. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معنا نصنع المستقبل. Et voilà, on notera quand même des températures assez agréables au nord, quand même assez élevées à l'intérieur du pays au sud. Oui, 35, voilà. Rilizen, Schleuf, oui, assez élevé, 35. Voilà, donc... Faut faire attention. Faut faire attention, on dit jamais bien assez. S'hydrater. Exactement. Surtout. On ne le dit jamais assez, donc... Voilà, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Mina. Merci, Noël. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h pour un peu plus de détails. Avec plaisir. À 9h30, tu m'offriras un petit peu de ton café. De quoi ?
Non, j'ai rien dit. Allez, on continue. Je sais pas si j'ai bien entendu. C'est bon, je retire. Ouais. C'est bonjour. C'est mauvaise habitude. Hein. Mais j'ai dit je retire, c'est bon, t'as rien entendu. Allez, pause musicale, on va aller du côté de Constantine. Quelle générosité de la part de Lina, franchement. Donc, on ira du côté de Constantine. Périssawa, ça te dit? Oui. C'est beaucoup d'ambiance. Hein. Ah oui. Allez, ça sera gros Périssawa et on se retrouve juste après. Sur le plateau et bien entendu docteur Fethi Benach nous rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah el khair. Comment ça va docteur? Ça va, il n'y a ça pas de problème. Bien? Il y a du brouillard là, en venant sur la route, il y avait du brouillard. C'est ce qu'elle a annoncé Mina Abed. Ah bon, elle a annoncé, oui. C'est ce qu'elle a annoncé, effectivement. Elle a confirmé pour ce matin. Mliha, le brouillard c'est bon, ça humidifie. Ça humidifie un petit surtout peu. Surtout les petit cultures. Peu, les. Oui, on en a besoin. C'est vrai, après une semaine comme ça... Moi, je pense qu'on a beaucoup plus besoin de ne pas gaspiller l'eau. Oui. On n'a qu'à se promener dans les villes, quelle que soit la ville, et il y a un gaspillage d'eau inimaginable par des individus. Hein, ça c'est, on ne parle pas des fuites, ça c'est technique, c'est les cernes. Mais là, ce que l'on voit quand on marche dans les villes, mais c'est la débandade, c'est le mot, c'est la foire, c'est... Et il faut intervenir. Moi, je regarde ça... Sensibiliser, informer surtout sur la question. Très, très important, et aussi de certaines pratiques commerciales, tout ça, je crois qu'il faut... Vous savez qu'au Canada, on ne lave pas les voitures avec le jet d'eau. D'accord. On utilise la vapeur. D'accord. Dans les hôpitaux, pour laver les voitures... Et la vapeur,
nettoie beaucoup plus que l'eau, la vapeur d'eau. Oui. J'ai essayé, j'ai demandé à certains, est-ce que ça existe ici, chez nous, je ne sais pas. Nous, on a de l'eau, il y a des nez, on a de l'eau plus que le Canada. Qu'il faut quand même préserver. C'est qu'il urgent. Faut quand même, voilà, non, c'est urgent. C'est urgent, d'autant plus que les scientifiques parlent beaucoup en ce moment de stress hydrique dans les années, déjà en ce moment et dans les années à venir. Vous savez, quand il pleut, pour que cette pluie soit bénéfique, il y a un certain truc, je crois que c'est 700 mm d'eau, les chiffres c'est à peu près. Et il faut que ça soit ça, une pluviométrie qu'on quantifie. Mais c'est pas nous, les gens me disent, il a plu. Mais quelle est la pluviométrie sur une année? La quantité, effectivement. La quantité, mais pas de, il y a de la pluie. On en parlera un jour. On en parlera un jour, effectivement. Mais c'est tellement important, docteur, et c'est urgent, d'autant plus qu'on s'apprête à la saison estivale. On a plus besoin d'eau et on utilise plus et on gaspille plus d'eau, effectivement. Je vais vous dire un proverbe, une cite. Ce proverbe dit, l'eau n'est pas nécessaire à la vie. L'eau, elle n'est pas nécessaire. C'est la vie c'est même. C'est la vie. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, effectivement. Mais l'eau peut être aussi un médicament. Oui. Parce que c'est la vie. C'est la parce vie. Parce que c'est la vie. Alors aujourd'hui, docteur, vous avez choisi un sujet pour nous. D'ailleurs, on en parle à chaque fois. C'est vrai qu'on l'annonce à chaque fois, qu'on essaie de sensibiliser à chaque fois dans les différentes thématiques. Mais aujourd'hui, vous avez choisi d'en parler à part entière. C'est vraiment cette surconsommation, cette consommation irrationnelle, l'automédication d'une manière générale et qui a par la suite de retomber des conséquences vraiment parfois irréversibles sur la santé de l'individu. Cette chronique, personnellement, je la dédie à feu professeur Hillali. Qui existait en Algérie, qui était spécialisée en pharmacologie, qui est extrêmement importante. Et j'ai eu la chance, avec d'autres collègues, d'être formé sur un programme de l'OMS, ici en Algérie, pas à l'étranger. Les experts sont venus en Algérie et tout ça. C'est un programme de l'OMS qui s'appelle le PURMA. Ça veut dire pour une utilisation rationnelle des médicaments. Ça, c'est un programme de l'OMS et qui note qu'au niveau de l'Afrique et tout ça, il y a une consommation. Et le terme de consommation, il n'est pas exact. Irrationnel des médicaments. Moi, je dis tout de suite, s'il y a un pays au monde où l'accès aux médicaments, on y va, on peut maintenant sortir dans n'importe quelle ville ou village en Algérie, vous vous présentez dans une pharmacie, vous pouvez avoir tous les médicaments que vous demandez, ce qui est absurde. Or, il y a une chose qui est fondamentale, un médicament quel qu'il soit, et on va prendre celui qui a le plus de succès chez nous, le paracétamol. Un médicament. À toutes les sauces, le paracétamol, effectivement. Non, mais attention, il est dangereux. Oui. Il est dangereux. Les petits-enfants parlent, « Maman, j'ai mal à la tête, donne-moi paracétamol. » J'ai entendu ça. Un médicament, quel qu'il soit, est un produit chimique qui, quand il rentre dans le corps humain, c'est-à-dire quand on l'absorbe, a fait une interaction. Et les deux organes les plus importants, les plus fondamentaux, quoique le corps humain est fondamental, c'est le foie et le rein. Et ceux qui s'occupent de manager, je fais de l'anglais, entre guillemets, métaboliser, digérer ce médicament, c'est le foie et le rein. Alors, revenons-en au paracétamol. L'OMS le classe comme le meilleur antipyrétique contre la fièvre et contre la douleur. La douleur. C'est pas vous savez, c'est le premier, c'est un excellent médicament. Et ce n'est pas une marque, le paracétamol, c'est la molécule. À partir de ce moment-là, donc, ce n'est pas le paracétamol qui est mis en cause, écoutez bien, c'est la façon de le consommer. De le consommer. La fréquence de consommation et la quantité de consommation. Chez nous, c'est le produit miracle. Mais on oublie que la façon de le consommer entraîne ce qu'on appelle
la cirrhose médicamenteuse du foie. Une cirrhose, nous, classiquement, c'était les alcooliques, ceux qui étaient vraiment consommés, ils détruisaient, ils brûlaient, entre guillemets, chaque cellule du foie. Mais là, en consommant, la manière dont quand on a de le consommer, entraîne une cirrhose, pas alcoolique, mais médicamenteuse du foie. Ça veut dire quoi? Le foie, vous avez vu, il est très souple, tout ça. Eh bien, excusez-moi, il devient aussi dur que ça. Et il perd sa fonction. Et quand le foie ou le rein perdent leur fonction, ça veut dire qu'il n'y a plus cette fonction épurative, dépurative, détoxicante du foie. Après, c'est un déséquilibre total du corps. Après, on devient dépendant finalement des machines. Et même maintenant, on considère la cirrhose comme étant un état cancéreux. Ça, c'est... Donc, vous voyez, ce qu'il faut revenir à chaque fois sur l'ouvrage, c'est le fait que les médicaments, même si on parle du paracétamol à chaque fois, mais le paracétamol, il y a des gens qui sont hospitalisés pour cirrhose médicamenteuse. Et croyez-moi, ils regrettent de dire « Ah, on ne savait pas ». Et entre autres, prenons les corticoïdes. Là, on a l'argamanu. Les gens les consomment, les médecins les prescrivent. C'est pas, j'insiste, c'est pas le produit en lui-même, c'est la façon de le prendre. Parce que chaque médicament a une posologie, c'est-à-dire une quantité, Une horaire, fréquence, un moment donné. Et tout c'est. Et la période dans laquelle il est évacué. Et tous les médicaments passent par le foie et le rein. Et ce qui est important, les corticoïdes, ce sont des produits qui, mal pris, donnent des hypertensions artérielles et des glucoses. Et on y va, je peux citer à gogo. Il y a l'effet inverse. Moi, je ne parle pas des antibiotiques, parce que les antibiotiques, c'est la fiesta. On y va. Vous savez que j'ai vécu... des moments où, lorsque le patient rentre, alors pour traduire, c'est-à-dire c'est le médicament qui me va. Et c'est lui, et en avant. Alors ça s'est étendu vers les moyens d'exploration. Donc vous voyez que notre façon j'aime pas ce mot consommer. En matière de médicaments. Ça doit être prescrit après exploration. Par exemple, il y a une infection. Les urines qui font mal, qui sont brûlantes, qui sont... Le problème, ce n'est pas tout de suite de passer à dire que c'est une infection urinaire. Non, c'est le fait que on fait une analyse d'urine. Il faut arriver à ce stade-là, parce que souvent des gens me disent, ça coûte cher, ça va entraîner, on y va tout de suite, et l'expérience. Non, chaque microbe, dans le sens algérien, entre guillemets, a son propre antibiotique qu'il détruit. Si vous prenez comme ça, on y va n'importe quel médicament, et surtout nos médecins qui sont harcelés. Ils sont harcelés par des représentants des labos. Ils sont invités à des repas entre guillemets, c'est des... Comment on appelle ça? Des buffets. Des buffets, voilà. Des buffets, c'est même pas des repas, des buffets. Et entre-temps, on dit à ce médecin, il ne faut pas oublier de prescrire tel antibiotique, tel médicament. Bon, mais là, on revient à l'éthique, encore une fois, docteur des médecins, n'est-ce pas? Merveilleux mot. C'est vraiment à l'éthique. Mais pour revenir un petit peu... Et la formation. Et la formation aussi, voilà. Et sinon, pour revenir encore une fois à cette surconsommation ou à cette consommation irrationnelle, plutôt, docteur, il faut dire que je vais donner par exemple l'exemple des mamans dont les enfants par exemple tombent souvent malades. À la longue, on a comme l'impression que la maman devient un véritable médecin empirique. Et donc elle est là, elle connaît son enfant, elle connaît ses maladies, c'est toujours les mêmes médicaments qui reviennent. Et donc on a un petit peu cette culture de donner le médicament, ça y est, je sais de toute façon ce que le médecin va me dire, je sais ce qu'il va prescrire, et on va tomber finalement dans ce piège. Votre question est merveilleuse, professionnellement parlant, pas au point de vue protocolaire. La maman n'est pas seule, maintenant il y a il y a les réseaux sociaux. Mais la deuxième partie de votre question,
je sais ce que le médecin voilà. va me donner, je sais ce que va me donner, pas va me prescrire. C'est important. Et ça, c'est la faute des médecins. Oui. Le médecin n'est pas fait, et hélas, je le dis depuis des années, racontez-moi, les médecins ne font que rédiger. C'est des greffiers. C'est devenu des greffiers, rédiger des ordonnances. Automatiquement, tout ça. Or, il faut avoir une crédibilité auprès, et je sais de quoi je parle, il faut avoir une crédibilité professionnelle, de compétence auprès des gens, de la population qui vient vous consulter. Et là, ce que vous dites est vrai dans le sens, je sais ce que le médecin va faire. Oui, je vais vous donner un exemple. Les angines, c'est le mot qui désigne ce monde vaste. 95% des angines sont d'origine virale. C'est moi, je dis toujours, entre guillemets, c'est une grippe des amygdales. C'est une grippe. 95%. Un petit peu, là, justement, de paracétamol et se reposer, surtout se reposer, et ça part. Pourquoi est-ce que, automatiquement, et croyez-moi, c'est ce qui se passe, dès que la maman rentre, le docteur, il a une angine. Le docteur, il la croit. Il n'y a même pas ce geste basal, ce geste minimal de prendre un abaisse-langue, c'est un petit morceau de bois, et on regarde quel type. On sent que la laine est mauvaise. On sent. Ça, c'est pas le béaba, avant le béaba de la consultation. Et c'est ça qui a fait que les mamans disent ce que vous dites. C'est vrai ce qu'il y a là, c'est que je sais ce qu'il va me donner. Non, ce qu'il faut arriver à obtenir, c'est que les gens disent, je vais aller vers le médecin qui va être compétent, qui va m'associer à la prise en charge, qui va réellement examiner un médecin. Moi, je suis contre la télémédecine et tout ça. La médecine reste, c'est ce qu'ils disent en anglais, face to face. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait un écran de télé ou je ne sais quoi entre moi et ma malade. Et ensuite, il y a la maman. Et Dieu sait si le rôle de la maman auprès de l'enfant est important. Autre chose, les mamans, on ne leur explique pas. On prend un antibiotique. Vous savez qu'un antibiotique, lorsqu'il est efficace, au bout de 48 heures, il y a une amélioration. Oui. Mais il n'y a pas un bon arrosage, un bon nettoyage des microbes. Au bout de 48 heures, les mamans, qui ne sont pas prévenues, disent « Ah, ça y est, non, je l'ai vu reprendre Ijri. » Elles laissent un fond de bouteille. Oui. Un fond de bouteille qu'elle utilisera. Pire, on n'explique pas aux gens que, par exemple, les gouttes pour les yeux, quand on les a ouverts pendant 3 à 4 jours, après, il faut les jeter. Donc, au bout de 15 jours, ils ne sont plus utilisables. Ils sont périmés. Donc, finalement, docteur mot d'ordre, encore une fois, c'est vraiment l'éducation, la sensibilisation, l'information et la formation, encore une fois, pour le corps médical, mais surtout, une information, éducation pour la population sanitaire sur ce plan-là. Je crois qu'il faut insister sur l'éducation technique, c'est-à-dire comment reconnaître les microbes, reconnaître tous ces éléments-là, comment examiner, ça c'est la compétence. D'abord, une bonne formation. Deuxièmement, c'est très important, il faut associer et le malade et l'entourage, surtout chez les enfants, la maman, qui doit être un élément essentiel, et là ça apportera, et non plus arrêter, je ne cesse de le répéter, arrêtez d'aller chez le pharmacien du coin. Voilà. Ah, c'est Zohar, c'est la fille du cousin, elle va me donner tous les médicaments. Effectivement. Voilà, donc encore une fois, revenir à cette éducation sanitaire, à cette sensibilisation. Parce que les médicaments, c'est dangereux. Pardon, les médicaments, c'est dangereux. Ils peuvent être eux-mêmes géniteurs vecteurs, d'autres maladies, de parfois cancer, irréversibles. Parfois, effectivement. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. J'espère avoir convaincu. C'est ce qu'on espère, en tout cas, c'est ce que vous faites, d'ailleurs, à travers Canal Algérie, Bonjour d'Algérie, chaque vendredi. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah pour une autre thématique. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'alimentation, d'ailleurs. Une bonne alimentation équilibrée, surtout après Ramadan. On a du mal. C'est le même fil. Voilà, on reste sur le même fil. C'est vrai qu'après Ramadan, on a vraiment du mal à reprendre les bonnes habitudes alimentaire, l'équilibre alimentaire. Et justement, notre ami, notre collègue Majda Djahmoun s'est intéressé à comment
reprendre un régime alimentaire équilibré, organisé, pardon, excusez-moi, après Ramadan. Dans ce reportage, on se retrouve juste après. Après 30 jours de jeûne, les Algériens reprennent le rythme alimentaire habituel. Café, petit déjeuner varié, certains attendent avec impatience les gâteaux de l'Aïd, d'autres y vont progressivement. Alors comment font les Algériens pour regagner ce rythme-là ? Il faut aller doucement, progressivement et par parcimonie, manger. Même si on a envie de manger, il faut essayer quand même de limiter. Le mieux c'est d'y aller petit à petit. Éviter tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est gras. Comme avant le Ramadan, on se lève, le café, la cigarette, et après on envoie tout ce qu'il y a à manger. Je reprends le rythme de l'iftar après Ramadan, petit à petit. C'est un peu compliqué de reprendre le rythme, parce que l'estomac il se resserre, etc., vu qu'on mange que le soir. C'est compliqué. Le jeûne aura été l'occasion de placer le système digestif et tout notre organisme au repos. Et une possibilité pour notre corps de faire le ménage lors de cette cure détox de 29 jours. Mais au bout de combien de temps la reprise d'une alimentation normale se fera ? Selon les médecins, cette reprise, qui doit être impérativement progressive, prendra quasiment autant de temps que la période du jeûne. Il faudra donc 15 à 20 jours de temps minimum au corps pour reprendre son rythme alimentaire habituel, c'est-à-dire celui des 3 repas quotidiens. Après Ramadan, c'est un changement, alors que normalement le corps doit s'adapter progressivement au changement. Le tube digestif, l'estomac fait, et les intestins font leur propre diète. Donc le microbiote ne doit pas être chamboulé. L'estomac est déjà mis au repos puisqu'on jeûne 16 heures par jour. Et après Ramadan, donc il faudrait que la transition se fasse progressivement et d'une façon très soft, parce que sinon ça engendre des perturbations. Des perturbations comme les indigestions et les intoxications. C'est pourquoi il est recommandé de privilégier les aliments digestes afin d'éviter tout problème, sans oublier de s'hydrater régulièrement et de respecter les heures de sommeil. Consommer beaucoup de fibres, éviter de consommer trop de sucre. C'est ça le problème, c'est le problème des gâteaux pendant l'Aïd. Si par exemple on consomme des gâteaux, surtout là je m'adresse aux diabétiques, il faudrait savoir équilibrer, éviter tout ce qui est gras, trop gras aussi, parce que le gras irrite la muqueuse œsophagienne. Essayer donc de varier un petit peu ces repas. Il ne faut pas oublier de boire. L'hydratation est très importante. Il faut prendre 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Il faudrait apprendre aussi à retrouver ses horaires de sommeil, donc 6 à 8 heures de sommeil par jour. Certains spécialistes recommandent un retour aux sources, à un régime alimentaire suivi par les Algériens dans un passé pas très lointain. Avant la généralisation de la junk food, une alimentation qu'ils qualifient de saine et permettant de vivre mieux. On a le régime méditerranéen qui est un régime fait de légumes de saison, pas de légumes congelés, de fruits de saison aussi, et nous avons cette chance, et bien sûr de tout ce qui est gras comme l'huile d'olive. Donc axé sur une alimentation saine, comme faisaient un peu nos grands-parents, nos ancêtres. Pour bien entamer cette reprise post-Ramadan, il faut donc d'abord instaurer une bonne routine, éviter de revenir aux mauvaises habitudes comme le grignotage, bannir le sucre et le gras pour prendre un nouveau départ alimentaire permettant de conserver cet état spirituel élevé que nous permet d'atteindre le jeûne. Et voilà, reprendre ou aller vers un départ donc alimentaire assez équilibré, assez sain. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, Dr Tofir Lossif. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous. Bah, c'est un plaisir de vous retrouver après tant d'années. Oui, tout à fait. Ouais, mais de toute façon, plaisir de partager en tout cas. Marhaba bik, en tout cas, vous êtes nutritionniste. Oui, et médecin du sport aussi. Et médecin de sport, voilà. Alors aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons évoquer donc le retour vers un régime alimentaire. Alors je ne sais si on doit aller vers une continuité d'un régime alimentaire ou aborder de nouvelles habitudes alimentaires après Ramadan. Donc c'est vrai que Ramadan, c'est un changement, c'est un chamboulement total finalement. Fait. Déjà sur le plan sommeil et sur le plan régime alimentaire. Donc finalement, les deux sources de vie.
Tout à fait. En fait, il n'y a pas de régime alimentaire. Le terme de régime, il est un peu... c'est pas vraiment sa place. C'est stigmatisant un petit peu. Mm-hmm. Mais finalement, il faut continuer un peu dans le rééquilibrage alimentaire. Mm-hmm. Parce que même pendant le ramadan, ce qui va changer, c'est peut-être le problème du sommeil, le problème de la fatigue. Mais du point de vue alimentaire, on devrait manger d'une façon assez équilibrée. En tout cas, moi je dis toujours qu'en période du ramadan, si à la fin du ramadan on a gardé son propre poids, voire on a perdu 1 ou 2 kilos, c'est qu'on a fait un bon ramadan alimentairement parlant. D'accord. Mais si on a pris du poids, c'est qu'il y a eu peut-être des abus quelque part, en soirée et tout, et puis l'alimentation a été un peu surchargée. En soirée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations. Alors, je vais rester peut-être sur cette remarque que vous venez de faire. Alors, vous qui êtes en contact direct avec les patients, justement, par rapport à tout ce rééquilibrage, après Ramadan, généralement, les personnes prennent du poids, stagnent ou perdent du poids. Alors, généralement, ça se passe comment? C'est vraiment une période un peu compliquée, juste après le Ramadan, il y a l'Aïd, et comment oui. C'est pertinemment que l'Aïd, c'est des jours de fête. Donc, beaucoup de gens mangent beaucoup de gâteaux, finalement. Mmh. Alors, donc, on passe un peu à cette alimentation du ramadan. Mais la semaine qui suit le ramadan, c'est durant l'Aïd, il y a une surconsommation d'aliments sucrés par rapport au gâteau. Mmh. Mais souvent, j'ai remarqué que les gens prennent pendant cette période, finalement, ils arrivent un petit peu à se contenir durant tout le mois du ramadan. Oui. Mais juste après le ramadan, la semaine, voire les dix premiers jours d'après ramadan, les gens prennent beaucoup de poids. C'est dû à une surconsommation de sucreries parce qu'il y a des gâteaux partout, oui. Là où on va. Donc, voilà. Donc après, ce réflexe, ouais. Ce qu'on avait manqué durant tout le mois du ramadan, donc dès qu'on rentre dans une maison, on rentre par exemple au travail et tout, il y a des gâteaux qui sont à notre disposition. Du coup, donc on prend, voilà. Et puis si on fait le calcul de la journée, finalement, on a pris plus qu'il en faut. Oui. Donc il faut être très très prudent juste après le ramadan. Je crois que c'est la période la plus compliquée. Donc finalement, nous sommes en plein dedans. On est en plein nous dedans. Nous sommes en plein dedans. À cette période C'est une période assez, assez particulière. Du point de vue alimentaire, alors, je vous ai dit, celui qui a fait un bon ramadan, il y a eu toujours un rééquilibrage alimentaire. Mmh. Après, celui qui est un petit peu abusé, il faut lever un petit peu le pied et puis manger d'une façon un peu mieux, raisonnablement, on va dire. Reprendre un peu ses 3 repas. Après, il faut baisser un peu en apport calorique. Quand on dit baisser un peu en apport calorique, ça veut dire qu'il faut diminuer un peu tout ce qui est produits sucrés, produits gras. Et les féculents aussi, le post-ramadan, les féculents peuvent être aussi oui. Un problème. Donc, ce qui fait qu'il faut vraiment baisser un peu en sucre, en gras et les produits féculents. Mais par contre, il faut privilégier un petit peu tout ce qui est légumes, mais surtout les légumes cuits. Oui. C'est pour une bonne digestion. Les fruits aussi, il faut en consommer assez régulièrement. Et les protéines. Il faut commencer un peu pour remettre un peu cette machine digestive un peu en marche pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau du côlon, au niveau de l'estomac. Alors docteur, je retiens dans ce que vous nous dites, baisser. Donc ce qui est bien finalement avec les médecins, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Donc il n'y a pas de ça c'est interdit, ça on ne prend non. pas. Parce que finalement, c'est ce qui provoque une frustration généralement chez l'individu. Et c'est là où on va tomber dans l'excès. Donc finalement, vous ne recommandez pas une restriction totale, mais se faire plaisir, mais avec modération. C'est ce qu'on retient. Tout finalement. À fait. En fait, moi, j'ai toujours dit que c'était interdit d'interdire. Oui. À partir de là, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a aucun aliment qui est interdit pour une baisse de poids. Ça n'existe pas, ça. Mm-hmm. Par contre, il va falloir ne pas abuser. C'est l'abus de l'aliment. C'est quand vous mangez beaucoup de pâtes, c'est là où vous allez prendre du poids. Et pourtant, les pâtes, c'est un élément essentiel. Mm-hmm. Quand on mange beaucoup de pain, c'est là où on prend du poids. Mais le pain est un élément essentiel. Mmh. Donc, il faut manger d'une façon assez rationnée. Oui. Et c'est surtout qu'est-ce qui peut
provoquer des problèmes de santé chez l'individu, c'est l'abus du même aliment. Alors, c'est vrai que il y a tellement d'aliments que des fois on se perd complètement dedans. Oui. À partir de là, il faut pas, par exemple, prendre de la viande tous les jours. Il faut pas prendre des yaourts tous les jours, 2-3 fois par semaine. Il faut acheter aussi rationné. C'est très important. C'est pas parce qu'on peut s'acheter 24 pots de yaourt ou 12 pots de yaourt. Non, il faut acheter selon le besoin du jour. Mm-hmm. Donc si il faut acheter une baguette de pain, il faut acheter un pain, c'est pas 5. Après on va aller... Donc je pense qu'il faut rester un peu dans cet équilibrage et dans cette donnée où, comme on dit chez nous, haqq. Mm-hmm. Ça c'est très important. C'est très important. Donc, il faut rester sur un équilibrage et sur une donnée beaucoup plus soft. Voilà. Alors, vous nous dites que la période que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est la période la plus cruciale, on va dire. Donc, oui. C'est là où on va prendre le plus de poids. C'est tout là où il y a le plus de tentations. Alors, quel serait le comportement idéal qu'on peut donc avoir vis-à-vis de tous ces choix, donc parce que là où on va maintenant, la table est bien garnie, comme vous le dites, soit au boulot, soit chez les amis, soit à la maison même. Il ne faut pas se laisser emporter par son désir. Mm-hmm. Il faut savoir aussi mettre fin à certaines choses. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a des gâteaux qu'on doit manger des gâteaux. Oui. Donc il faut qu'il y ait un travail mental profond. Mais c'est ça, je crois que le gros problème aussi de tous nos patients, c'est un problème mental. Oui. Les gens, parce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Alors qu'est-ce qui fait justement qu'on veut et qu'on ne peut pas ? Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs, j'ai envie de dire, sûr. Par exemple, la vie, le quotidien, la tentation ? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on veut et qu'on ne peut pas ? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous parasitent dans le quotidien. Alors, et puis les gens, ils se ramènent un petit peu sur la nourriture. Pourquoi ? Parce que il y a des fois le manquement intérieur, c'est quand on manque, on mange beaucoup. Finalement, oui. Finalement, c'est pour remplir ce vide mm-hmm. qu'on a au fond de nous-mêmes. Donc finalement, c'est pas la faim. C'est pas parce qu'on a faim. C'est vraiment pas la faim. C'est, mm-hmm. c'est à 80% des cas, c'est un désordre un peu déjà hormonal, mais il y a un grand facteur psychologique. Mm-hmm. C'est pas une histoire de faim. C'est une histoire mentale. Après, il faut trouver aussi des garde-fous par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Toute la question est là. Après, il faut s'occuper. Il faut faire un peu d'activité physique. Ça régule l'appétit. Mmh. Il ne faut pas aller manger dans les restos tous les midis. Il faut privilégier peut-être le soir, quand vous rentrez chez vous, vous mangez un plat copieux. Donc, le midi, il faut manger un peu soft. Donc il faut trouver un peu des stratagèmes, sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut trouver des stratagèmes pour pouvoir arrêter et des garde-fous. Le petit déjeuner du matin, ça serait peut-être un petit déjeuner royal, mais dans la journée, même si on travaille et tout, il faut casser cette faim, il faut la casser. On n'est pas obligé de prendre 3 voire 4 grands repas dans la journée, ce n'est pas possible. Mmh. Et surtout, si, encore plus, si on est sédentaire ou on a un travail sédentaire. Donc, il faut bouger. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant de se faire accompagner ? Il faut se faire accompagner. Mmh. Parce que cette dérive, si quelqu'un d'autre ne vous met pas des barrières, des garde-fous, vous êtes dans votre mental, et dans votre choix. Donc après, tout ce que vous faites, c'est ça. Mais quand vous avez d'autres éléments, d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui vous montrent, parce que tout individu est intelligent à la base. Oui. Mais des fois, c'est par méconnaissance qu'on fait certains actes. Mais après, quand vous voyez, par exemple, un coach, un médecin et tout, il vous explique finalement. Vous avez besoin de cette explication qui est convaincante. Mmh. Et après, c'est comme tout être humain, quand vous lui expliquez une situation, il revient un peu à l'ordre. C'est comme ça.
Donc après, quand vous êtes coaché, quand vous êtes suivi et tout, vous comprenez, vous dites, effectivement, c'est comme ça, ça c'est moi. Mais quand vous dites ça c'est moi, il faut que je change. Donc voilà, donc il y a déjà cette prise de conscience, après il faut l'étaler. C'est pour ça qu'il va falloir, mais tout seul on ne peut pas. D'ailleurs, c'est tout, j'ai toujours dit aux gens d'essayer quand même, par exemple, il y a certaines de mes patientes qui me disent « oui, on a fait des régimes pendant 2 semaines ». Mais on n'a rien perdu, effectivement. Oui. Parce qu'elles ont fait leur régime, finalement. Mm-hmm. Elles ont fait leur propre alimentation comme elles ont l'habitude de faire. Mm-hmm. Le changement, il est où ? Après, quand ils viennent chez moi ou chez un coach, il a une autre donnée, un autre dogme. Mm-hmm. Après, on va prendre en considération si la personne est sédentaire, si elle est malade. Voilà. Tous ces facteurs, finalement. Multifactoriel, bien sûr. On prend en considération tout ça. Diabétique, vous savez pertinemment que par exemple le diabétique, c'est le sucre appelle le sucre. Il vous dit moi je mange beaucoup de sucre, effectivement, parce qu'il est diabétique. Après, voilà, donc je pense qu'à partir de là, il faut étudier tous ces facteurs pour pouvoir l'orienter sur une alimentation qui va dans ces facteurs et qui peut sortir de ces facteurs. Et c'est là qu'on peut perdre du poids. Voilà. Parce que s'il va dans son idée, bon, on n'a qu'à voir un peu, il y a sur Internet et tout, il y a plein de régimes. Oui. Okay. Mais après, effet yo-yo, et voilà. Puis où va-t-on ? Vous faites un régime pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et après, draconien, souvent, docteur. On ne sait même pas où est-ce qu'on est. Et puis, ce n'est pas vraiment bien mesuré. C'est pas, et puis, vous faites un régime. Vous avez une balance, par exemple, chez vous, vous prenez un poids. Ce n'est pas vraiment une balance fiable. Ça, c'est les balances qu'on a, les balances domestiques, là. C'est des balances, c'est pour un suivi. Oui. Quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a pas une prise de poids et tout, c'est bien. Mais parce que quand vous faites un régime, vous avez perdu quoi, finalement? Après, c'est multifactoriel. Est-ce qu'on a perdu de l'eau, de la masse musculaire, de la graisse, voilà. La graisse, masse musculaire ou eau. Donc après, si on a perdu de la masse musculaire, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. C'est qu'on a failli, c'est pas grave, on rattrape le... Et si on a perdu de l'eau, c'est aussi bien, mais surtout, le premier facteur, c'est qu'il faut perdre la graisse. C'est cette graisse-là qui nous alourdit, qui nous amange, quoi. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages. Eh ben, c'est avec et plaisir, on retient finalement que nous sommes en pleine période cruciale et c'est là où il faut faire le plus attention. Il faut faire attention, tout à fait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous, docteur Tofik Alossef, d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous êtes nutritionniste et médecin de sport. Merci encore une fois d'avoir été merci parmi nous. On continue dans un petit moment. Nous allons revenir sur l'actualité sportive du moment, donc à savoir la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en compagnie de Sarah Delbal. Mais avant cela, on vous propose cette balade en ces images et on se retrouve juste après.
Et Sarah Derbel nous rejoint. Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah? Ça va, merci. Ça se passe bien? Très bien. Allez, l'actualité, hein? Oui. Beaucoup de travail en ce moment. Beaucoup de travail. N'est-ce ça pas? Ça fait quand même une semaine que... Ça fait quand même une semaine et ça va encore se poursuivre. Qu'on est mobilisé pour la Coupe d'Afrique. Et ça va encore se poursuivre. Oui. Voilà. Alors, les nouveautés en ce moment. Ça se passe bien déjà avec les moins de 17 ans? Oui, ça se passe bien. Déjà, un bon niveau, par rapport à l'organisation, l'Algérie commence à prendre l'habitude avec les Jeux méditerranéens, ensuite le Chad. Goût surtout à l'organisation. C'est ça, et là, c'est avec la CAN U17, c'est quand même une compétition continentale d'envergure. Donc, c'est une Coupe d'Afrique, ça reste une Coupe d'Afrique. C'est vrai, ça concerne les moins de 17 ans, ils sont jeunes. Mais on les prépare hein, pour le professionnalisme. Exactement, donc, c'est le futur des équipes nationales, de toutes les équipes nationales africaines. Donc, voilà, donc l'Algérie assure encore une fois l'organisation d'un événement continental. Ça se passe très bien. Pour ce qui est des performances, donc la meilleure performance de notre équipe nationale remonte à 2009 où l'Algérie a déjà organisé cette compétition. Donc les Verts sont arrivés en finale et se sont inclinés face à la Gambie, donc ils se sont classés deuxième, donc une médaille d'argent, espérant que pour cette année ils pourront faire mieux, peut-être une médaille d'or et remporter le trophée. Donc 12 équipes. Plutôt 11 maintenant, puisque le Soudan du Sud a été disqualifié de la compétition. Donc 11 équipes sont en train de disputer cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui a débuté le 29 avril et qui se terminera. Donc la finale aura lieu le 19 mai. Voilà. On reviendra sur les performances de notre équipe nationale. Oui. Donc, ils ont très bien entamé la compétition avec une victoire face à la Somalie sur un score de 2-0. Le deuxième match où les Verts devaient gagner pour assurer leur ticket qualificatif, ils ont perdu face à une très bonne équipe sénégalaise. Les Sénégalais sont connus hein, exactement, sur le plan continental. Exactement. Les performances sénégalaises, effectivement, exactement. Sont Exactement, les Sénégalais ont connues. Remporté le CHAN, ont remporté la CAN U20, la CAN féminine, le beach soccer. Quand même, ils dominent la scène africaine. Les Sénégalais sont les Brésiliens, finalement, de l'Afrique. Exactement. Oui. Mais espérant qu'on pourra peut-être remporter ce trophée ou même arriver en finale. On a encore une chance. Ben oui, on a une chance. On a une chance, même si on perd. On a une chance, puisque les deux premiers sont qualifiés. Il y a trois groupes, donc les deux premiers sont qualifiés. Et les deux meilleurs troisièmes, donc on a quand même une chance, puisqu'il y a un troisième qui n'est pas qualifié. On est deuxième pour l'instant avec 3 points. Espérons qu'aujourd'hui, pour rassurer, pour être à l'aise, on pourra gagner face au Congo. C'est ce qu'on espère. Voilà. Donc pour parler de ce match, on va d'abord voir le sujet qu'a préparé pour nous Samy Achichou et reviendra pour le débat. Après une victoire face à la Somalie, une défaite devant le Sénégal, le 11 national abordera le troisième match avec une grande détermination afin d'éviter tout calcul. Al-Sherman et son staff ont basé leur travail sur l'aspect psychologique. Physiquement, l'équipe est fin prête pour cette chaude empoignade face au Congo. C'est un match très important pour déterminer celui qui finira deuxième du groupe. On va tout faire pour gagner les 3 points et rendre les Algériens fiers de cette équipe. Anatouf et ses camarades auront à cœur de se racheter lors de la dernière journée du groupe A. Ces derniers sont décidés à relever la tête et à aborder ce dernier match avec beaucoup de détermination. Cette rencontre, on l'abordera comme une finale. On est motivé et déterminé à réaliser un bon résultat. Notre but sera de gagner et se qualifier. En face, les Congolais joueront leur dernière chance de qualification après une défaite et un match nul. On va aborder ce match pour pouvoir chercher la qualification. L'Algérie a pu perdre contre le Sénégal, mais ça c'est autre chose. Nous allons jouer un match pour gagner, et ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Sénégal, c'est autre chose, c'est un autre match. Algérie-Congo, ça sera ce vendredi à partir de 20h au stade Nelson Mandela. En même temps au stade Chaïd Hamlaoui de Constantine, le Sénégal sera opposé à la Somalie. Voilà, alors, rendez-vous pris pour ce soir. Voilà.
ce soir, Sarah. Algérie-Congo, donc à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Bangaré, où les Verts, on les a entendus, on vient de les entendre, ils sont déterminés, ils sont déterminés à arracher la qualification et surtout à gagner pour renouer avec la victoire et se lancer dans cette compétition. Il y aura aussi un autre match, celui qui concerne les Sénégalais qui sont déjà qualifiés. Donc Somalie-Sénégal à 20h au stade Cheikh Hamlaoui de Constantine. Voilà, donc les Sénégalais, eux aussi, veulent continuer sur cette même lancée et visent le titre continental encore une fois. Donc voilà pour ce qui est du programme d'aujourd'hui de la CAN. Alors Sarah, pour revenir au vert, donc on voit quand même la détermination, on comprend aussi qu'ils ont aussi compris l'importance de cette victoire et l'importance d'aller de l'avant et surtout de remporter le trophée en cas de qualification que nous espérons d'ailleurs. Donc finalement, la continuité sera comment? Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux premiers de chaque groupe vont se qualifier. Donc on va répéter, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Et les deux meilleurs troisièmes de ces trois groupes vont se qualifier. Donc l'Algérie est normalement qualifiée, mais on va attendre la confirmation ce soir en cas de qualification. Donc l'Algérie, si l'Algérie gagne aujourd'hui au match nul, donc elle finira deuxième de son groupe et jouera avec le deuxième du groupe C, ici à Alger, ce qui sera bénéfique pour les protégés de Ernst Kermel, puisqu'ils continueront à jouer ici au stade Nelson Mandela. Ils joueront face au Burkina Faso pour l'instant. On va attendre les résultats de demain ou le Cameroun. Donc on va attendre le groupe C demain pour voir. Sinon, si l'Algérie termine troisième, si elle perd aujourd'hui et finit troisième et se qualifie en tant que meilleure troisième, donc elle jouera à Annaba et avec le Mali, donc le premier du groupe C, ce qui va être un peu difficile. Un peu compliqué pour les Verts. Il faut savoir que les quatre premiers de cette compétition, donc si l'Algérie atteint la demi-finale, elle sera automatiquement qualifiée pour la Coupe du Monde de la catégorie, donc prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain. Donc voilà, une bonne chose aussi pour nos Verts. Comme ça, ils vont continuer à se préparer et ça va leur permettre de disputer une Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, on espère beaucoup de courage et bonne réussite pour les Verts donc, ce soir. Inch'Allah, une qualification. Espérons, n'est-ce une pas victoire et une qualification. Et on souhaite que du bien pour notre Algérie qui continue à prouver son engouement déjà pour ce genre de manifestation sur l'organisation. On va se rappeler que l'Algérie va organiser les Jeux Panarabes le mois de juillet prochain. Donc on continue sur cette lancée, C'est vrai qu'on est mobilisé, on travaille un peu plus, mais le fait avec grand plaisir. Exactement, hein, exactement. Surtout quand il y a des retours et quand il y a retours positifs. Tout surtout, à fait, tout n'est-ce à pas fait. En tout cas, merci Sarah. On se retrouve demain, Sarah, pour nous donner plus de détails de ce qui va se passer ce soir. Avec une qualification, une victoire pour les jeunes verts. Sinon, tu ne viendras pas demain. Je ne viendrai pas. Merci beaucoup, Sarah. Donc, merci encore une fois, on espère beaucoup de réussite pour les Verts. Et on se retrouve, Sarah, demain pour revenir sur ce qui va se passer ce soir, Inch'Allah. Et puis, les nouveautés donc, qui vont suivre pour cette manifestation, pour cette actualité sportive. Merci beaucoup, merci Sarah. À toi et bon courage. Merci à toi. Bon courage. Allez, on continue. Cette fois-ci, en compagnie de Samia Bouarour, nous allons à la rencontre d'un recycleur, lui qui fait un travail. Un travail quand même assez intéressant, assez unique. Je vous laisse voir son travail de recyclage. On se retrouve juste après. Insufflé par la tendance déco, brocante et récup, relooker ces meubles anciens est désormais très courant chez nous. Et j'ai commencé le bricolage très jeune déjà. Ensuite, j'ai développé ça pendant le confinement. Je passais mon temps à rénover mes meubles et je postais des photos dans des groupes de recycleurs. Ça a fait un buzz sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à me contacter pour relooker leurs objets et meubles. L'aventure a commencé ainsi. Abbas Hamtine le fait très bien. Porté par ses idées, Abbas passe des heures et des heures dans son garage pour créer, rénover et redonner une nouvelle âme aux meubles ou pièces anciennes pour satisfaire ses clients.
Chaque meuble a une histoire qui nous fait rappeler une personne, un souvenir. Et j'ai reçu des clients qui avaient les larmes aux yeux en voyant leur meuble sauvé et récupéré. C'est ma plus grande satisfaction. Chez Abbas, rien ne se perd. Tout se transforme pour arriver à une création unique en forme et en couleur. Sa formation d'ingénieur en technologie et sa maîtrise de la chimie l'aident beaucoup pour perfectionner ses œuvres. « 90% de mon travail se base sur la chimie entre les couleurs et les matières. Tout est étudié pour arriver à une couleur nette et uniforme sans défaut. Le relooking est en ce moment au top du trending et des nouveautés. Ce métier demande beaucoup de patience. Il faut toujours ajouter une touche personnelle pour créer des pièces uniques. » Il ose et s'adonne à sa passion pour donner une seconde jeunesse à toutes ses pièces récupérées. Une belle aventure qui dure depuis des années et qui fait beaucoup d'heureux. C'était donc un portrait d'un recycleur et c'est Samia Bouarour qui l'a rencontré. Cette fois-ci, nous allons parler de patrimoine puisqu'une très belle exposition collective se tient en ce moment du côté de Zerada, l'une des exposantes, des participantes est parmi nous ce matin. Un travail quand même assez originel et original, on va dire, n'est-ce pas? Oui, je pense. Alors, Hela Shaima Atatfa, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, sabah al khair. Merci de me recevoir. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit. Alors, ce que vous proposez, vous, c'est carrément un voyage. Oui. C'est quelque chose finalement qui nous accompagne. Hein. On a du mal à se détacher, même si on a nos smartphones, même si nos téléphones nous permettent d'immortaliser beaucoup de moments. Mais finalement, c'est un retour vers les sources. Le voyage vous oblige à laisser de côté votre vie, peut-être l'ancienne, là où vous étiez, le schéma dans lequel vous êtes enfermé. Et donc, il y a tellement à voir, il y a tellement de personnes que réellement vous êtes dedans. Il y a la déconnexion parce que voilà, vous êtes sur la route, vous êtes dans le désert, vous êtes dans... Donc, vous apprenez à vous passer de la connexion, vous apprenez à vous découvrir et tout. Et le carnet, c'est une excellente manière de voyager, de pratiquer le voyage. Et je pense que c'est comme ça que mon aventure dans l'artisanat a commencé avec le carnet de voyage. Alors justement, là, vous nous dévoilez, c'est le carnet de voyage, mais c'est vu autrement, votre carnet de voyage. Quand on parle de carnet de voyage, on parle d'un agenda qu'on va se procurer finalement au niveau des librairies, au niveau donc de quelques magasins. Mais là, c'est autre chose que vous nous proposez. Donc finalement, d'où vient cette idée? Et surtout, les matériaux nobles que vous utilisez pour ce travail. C'est tout un cheminement parce qu'au départ, comme je voyageais, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire le journal intime. Donc le carnet, il a toujours fait partie de moi. Les premiers carnets que je me procurais, justement, c'était en librairie, mais c'était des carnets sans âme, ils étaient ordinaires. Ils étaient, qui ressemblaient à tout le monde. Ils n'étaient jamais comme je veux aussi, ni couverture, ni papier, ni ligne. C'était des cahiers d'écolier. Et au final, ça n'invitait pas réellement à pratiquer le carnet et tout. Parfois, je devais attendre des occasions pour pouvoir trouver de beaux carnets. Mais un beau jour, pourquoi est-ce que je dois attendre pour avoir un beau carnet? Pourquoi pas le faire moi-même? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, les premiers carnets, ils étaient sans cuir. Oui. Donc voilà, j'avais commencé à personnaliser la couverture. Elle ressemble au thème auquel je destine ce carnet. Et puis il y a les carnets, quand je voyage avec, il y a du café qui se déverse, il y a de la pluie. Après, et, une petite question, si vous permettez. Le papier jaunâtre. C'est aussi du papier que j'ai cherché. J'ai cherché papier longtemps. Jaunâtre, il veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est du papier qui a une texture, quand j'écris dessus, ça, il y a le bruit, t'as le crayon, le stylo et tout. Et puis, là, il y a la couverture qui a suivi. Puis j'ai commencé à couvrir de cuir pour le protéger. Ouais. Et puis j'ai commencé à mettre les symboles algériens sur ce cuir-là pour véhiculer notre culture et notre patrimoine. Alors, si vous permettez, juste pour montrer. Voilà. Voilà.
Ça, c'est la croix du Sud, tu as les Touaregs. Ouais. Voilà, c'est quand tu voyages et tu crois ces croix. Il y a l'odeur du cuir, là, aussi, c'est ouais. C'est un bonheur de vivre là-dedans, en atelier. Voilà, je vis dans le cuir, ça fait partie maintenant de ma vie. C'est une matière que j'adore. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur ces carnets. Vous m'avez emporté avec vous, alors même moi, je ne retrouve pas mes questions pendant que nous y sommes. Alors, je vais juste ouvrir, je peux ? Oui, bien sûr. Bah, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a des petits secrets qui sont... Ça, c'est les carnets que je vends. Allez, je vais aller là où ce n'est pas écrit. C'est ceux-là, en fait, qui sont remplis, la croix, la clé de la hagar. C'est des bijoux que j'achète et que je joins à mes carnets après. Voilà, donc, mais à l'intérieur, il devient gros, rempli de récits, rempli de plantes que je trouve sur place. D'accord. Ce qu'on me raconte. Donc, Donc ça, c'est vraiment des carnets plutôt accessoirisés. Oui, c'est les miens que j'utilise. Oui, c'est les vôtres. Mais il y a ceux que ça, c'est ce que vous avez fait pour vous-même. Donc c'était votre cadeau pour vous-même. Et à chaque fois que je voyage principalement en Algérie. Mm-hmm. Donc c'est souvent le sud ou Ga. Donc à chaque fois que j'ai une destination en tête, je commence mon carnet et il ressemble à ce que je vais faire, là où d'accord. je vais. Vous permettez. Ça, c'est par contre, c'est des symboles berbères. Ça dérive des tatouages que les femmes mettaient autrefois sur le visage. Sur le visage. Ouais, donc c'est une autre manière de les exposer, de les montrer. Mm-hmm. Les gens, quand ils le voient, ils demandent qu'est-ce que c'est. Et donc moi, je suis toute contente d'utiliser des choses de chez nous. Oui. Et voilà, ça a donné ça avec le temps. Mm-hmm. Ça a donné ça. Donc vraiment, il y a l'odeur qui se dégage. Alors, j'avais juste envie de vous poser la question par rapport au cuir. Donc vous faites comment pour vous procurer la matière ? Et généralement, c'est ce que je trouve parce que je dépends de mes tampons. Il faut que le cuir soit. Mais je suis particulièrement contente quand je tombe sur des tanneurs de chez nous qui font du cuir de chez nous. Oui, j'ai quelques adresses, genre à Mostaganem ou là, ici sur Alger. C'est des personnes qui font du bon travail au gars et je suis toute contente quand je trouve du cuir de chez nous. Parfois, c'est du cuir que j'achète en plein voyage, comme c'était le cas à Timimoun et à Tamen Rasset. Dans ce carnet-là, ça, c'est une peau de chèvre. Là, je vais aller doucement. Hein. Ok. Ça, c'est une peau de chèvre qui est tannée avec une plante de chez eux, de Tamen Rasset, une sorte d'acacia qui donne cette couleur violette. D'accord. Et ce carnet, je l'ai décoré sur le coude à Tamen Rasset chez des artisans de ce la maison des de l'artisan. Ce sont des symboles qui représentent quoi ? Alors, je ne sais pas si on peut les voir à travers les caméras, les symboles. Donc, c'est vraiment des formes géométriques qu'on retrouve. C'est des tampons très anciens. Ils ont des noms. Par exemple, celui qui est encerclé, il représente l'univers. Celui qui est en croissant de lune, il renvoie à la lune. D'autres, ils ont des noms parce qu'ils ont essayé de m'expliquer sur place. D'accord. À l'intérieur, il y a toute une page avec ces symboles repris, avec les noms Tawahom, avec leur nom, Touareg et tout. Et, je peux ouvrir. Bien sûr. Ouais, parce qu'il y a des petits secrets à l'intérieur. C'est pas tout à fait des secrets parce que c'est des récits de voyage, c'est des dessins. Ah, des dessins que vous faites vous-même ? Ouais. Bravo. Alors, je vais montrer cette page si vous permettez. Bien sûr. Et bien je sûr. Vais la dédier à mon père ce matin parce que mon père, il a un rapport très particulier avec le dromadaire. Ah, d'accord. Voilà. Il a un rapport très, très, très particulier avec le dromadaire. Donc, ces carnets, c'est une manière de pratiquer le documentaire parce que je dessine ce que je vois, j'écris à côté ce qu'on me raconte, ce qu'ils m'ont appris. Voilà les symboles ? Alors, ça, c'est les gravures rupestres que j'ai trouvées sur place. Et en fait, il te raconte pourquoi c'est là. J'ai même appris le testifinaire avec eux parce qu'ils te le lisent. Ils te disent qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Apparemment, c'était les messages d'autrefois. Les caravaniers, quand ils passaient, ils disaient « Bli, c'est nous qui sommes passés par là. Nous avons trouvé de l'eau parce que ça peut sauver d'autres personnes dans le désert. » Très bien. Oui, c'est tout un monde quand on rentre là-dedans. C'est tout un monde, oui, effectivement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que La matière n'est pas cousue, donc on voit que c'est coupé au feeling, que c'est... je ne sais pas, c'est vrai ou c'est juste une parce impression La peau, quand je la récupère déjà, elle est déjà effilochée sur les côtés au gars, parce que après... Voilà, on le voit ici, par exemple. Voilà, et moi j'en profite pour mettre en valeur cette partie dans le carnet, quand je choisis ma couverture et tout. Donc et même la couverture renvoie elle-même, quand on la regarde, la couleur, la peau, comment elle est venue, les symboles au gars, de sorte à ce que vraiment ça renvoie à ces voyages directement, à ce qu'on apprend.
Et voilà, c'est toute l'Algérie que j'ai aimée, dans laquelle j'ai voyagé, que je retrouve dans mes carnets quand je les regarde. J'imagine déjà là, on voyage à travers vous, rien que l'odeur du cuir, qui a quand même une odeur assez forte, assez particulière, et très prisée dans les parfums d'ailleurs, dans la fabrication des parfums masculins généralement, et qui font un petit peu leur entrée dans les parfums féminins en ce moment. Il y a quand même quelques aventures dans ce sens, et c'est vrai que l'odeur, elle est apaisante. Il y a l'odeur du cuir lui-même, et il y a aussi les plantes qu'on utilise, vu que les plantes, elles sont très, très odorantes. Très odorantes et tout. Donc on retrouve avec. Et avec le temps, on apprend à vivre dedans, ça fait même partie de notre vie et tout. Moi, quand je rentre dans mon atelier, il y a cette odeur qui me. Voilà, qui. On peut venir vous déranger dans votre atelier, Zahma. Un de ces jours, pourquoi pas me l'avoir. Oui, parce que lorsque vous parlez dans votre atelier, on a l'impression que vous êtes vraiment en coupure franche avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc C'est une coupure aussi qui a été assez brutale, vu qu'à la base j'étais pharmacienne et j'ai arrêté après un burn-out pour plonger dedans. Et mais c'est complètement différent. On n'est pas loin non plus de la pharmacie. Hein ? On n'est pas loin, donc il y a de belles odeurs en pharmacie aussi. Non, donc, c'est un monde qui m'a stressée, donc c'est un monde que je vois là, que je refuse. C'est bon. On cherche pas de pain en commun, alors c'est bon, on passe à côté, on cherche pas. Allez, on laisse la pharmacie. J'ai fermé une porte pour en ouvrir une autre, donc... Très bien, alors, quel est un petit peu, parce que là, vous êtes en exposition, vous êtes en contact direct avec les personnes, déjà, généralement, les gens qui viennent dans une exposition, ils viennent pour chercher quelque chose de très particulier, vraiment ressentir un petit peu et valoriser surtout le travail artisanal généralement. Quel est un petit peu le retour? Parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie un petit peu qui prend le dessus sur le stylo, j'ai envie de dire, sur le crayon. Et là, ça nous renvoie un petit peu, c'est un moment très nostalgique, hein, lorsqu'on voit un carnet comme ça, et personnalisé surtout. Quel est un petit peu ce retour? Alors, je pense que les retours qui me font le plus plaisir, c'est quand les gens viennent me voir pour essayer d'écrire. Ils me disent, entente, on veut bien le journal intime, on veut bien nous aussi voyager et garder ce qu'on a vu sur le carnet. Donc, en même temps, ils viennent, ils achètent un carnet, ils demandent des conseils. Donc, ils n'achètent pas juste quelque chose de beau. Il y a réellement avec la volonté de vouloir s'y mettre pour revenir avec un récit de voyage, avec de belles photos commentées et tout. L'autre catégorie, c'est les gens qui viennent pour le patrimoine. Oui. Ils posent des tas de questions sur les détails sur le carnet ou les autres stands avec les autres artisans. Pourquoi ces symboles, d'où ça vient, ça fait vachement plaisir. On sent que réellement il y a de l'intérêt. Ils me disent, j'ai envie de l'offrir à telle personne, comment elle est, voilà son profil et tout, et je cherche un cadeau idéal. Donc quand tu dis que j'ai, quand tu dis que j'ai des symboles berbères ou que j'ai des croix du sud sur les carnets et tout, donc ça les renvoie directement au sud ou là où ils vont ou là la personne à qui ils vont offrir. Et moi, ça me permet aussi d'utiliser ce que j'ai appris. Donc, les légendes qui se cachent derrière ces symboles, l'origine. Et je me dis, c'est une manière de véhiculer notre culture, nos histoires qui sont oubliées. D'ailleurs, il y a plein de contes de légendes que je raconte parfois sur scène, puisque je suis devenue conteuse avec le temps, en particulier des contes du désert. Et en tout cas, c'est un moment de partage incroyable. Genre, c'est bien de ne pas juste vendre, mais de vendre l'idée, de vendre le concept, de vendre de la culture, de l'art. Donc, c'est pour ça que je dis aussi que mon travail me rend heureuse, parce qu'il y a eu manuel, c'est le carnet, parce que j'aime bien et tout. Mais il y a tout ce qu'on peut véhiculer avec et... C'est le bonheur. On le ressent, vous le véhiculez très bien en tout cas. On ressent toute votre passion à l'HMA. Alors justement, à l'HMA, au fait, vous n'êtes pas seulement dans le travail artisanal, du moins c'est ce que je comprends dans votre discours. Vous n'êtes pas que dans l'artisanat, mais vous êtes vraiment dans la recherche, vraiment dans l'au-delà du travail manuel ou de proposer un concept ou une idée ou un produit artisanal, mais vraiment dans la recherche. Là, vous parlez de plantes qui sont utilisées, vous parlez de la provenance du cuir, vous parlez de la couleur du cuir, des symboles qui tournent autour. Finalement, c'est un travail de recherche, ce que vous faites. C'est pour ça que j'aime bien dire que mes photos, là, mes récits, ça part réellement dans le documentaire. Mais je pense que c'était quand je me suis rendu compte à quel point la curiosité est une chose bien dans nos vies, dans nos voyages, le fait de se poser des questions. Et c'est ce qui a fait que je pars toujours en voyage, je vais toujours rencontrer d'autres personnes, que je peux toujours poser des questions intéressantes. Ça fait que je ne m'ennuie jamais.
Il y a toujours des motifs qui font que, voilà, que je vais par exemple me faire des formations de l'artisanat. Ouais. Ailleurs en Algérie, par exemple, celle du tapis, celle du bâti en terre. Et dernièrement, les bijoux en argent, Touareg, là, à Tamen Rasset. Donc cette curiosité est un incroyable moteur qui fait qu'on n'arrête jamais. Et c'est incroyable, plus on a de réponses, plus on a envie d'en savoir plus. Et oui, je pense que c'est le mot-clé, c'est réellement la curiosité. Et il y a la satisfaction, oui, je commence à trouver des réponses. Et oui, la recherche, les questions et la curiosité, c'est quelque chose d'important à avoir, même au quotidien, genre pas forcément dans le voyage. Ça fait qu'on se réveille dans la matinée tous les jours, qu'on ne ressent plus la fatigue, qu'on a envie d'être motivé tous les matins pour travailler, pour donner le meilleur de soi-même. Donc j'espère que j'ai bien répondu. Certainement. Certainement. Alors, est-ce que, bien entendu, le cuir, donc ce sont des provenances un petit peu différentes, est-ce que vous avez une préférence pour une provenance particulière du cuir ? Le cuir que j'achète en voyage. D'accord. Parce que c'est un cuir que je rencontre dans le marché. Mindek firme, ils ont des ontailles, parce qu'il a été travaillé complètement de façon artisanale. Oui. C'est pas ce qu'on trouve chez un industriel. Et puis il vient dans mes bagages quand je remonte dans le sud, quand je viens dans l'avion ou là dans le bus. Donc je m'arrange pour l'attacher quelque part dans mon sac de voyage et tout. Et puis c'est un cuir qui va me servir pour faire un autre carnet. Donc je l'ai pas acheté et tout. Je me suis débrouillée ce cuir pour le trouver parce que j'ai posé des questions à la personne qui l'a faite, comme le Hadith la peau oui. Violette que j'avais achetée à Tamen Rasset. Et les gens sont particulièrement aussi contents quand ils me demandent des choses. Est-ce que tu as un cuir qui a une histoire ? Est-ce que tu as... Et donc, quand toi, tu as réellement un objet qui a une histoire, donc tu donnes un sens à oui. cet objet. C'est pas juste quelque chose que... Donc, le fait aussi de faire les choses pour soi-même, ça fait qu'on peut offrir cette chose aux autres personnes. Ils vont offrir un cadeau qui a une histoire. Ils sont tout contents de le dire. Comme par exemple, il y a une personne qui m'a demandé récemment, est-ce que je peux avoir un proverbe touareg antifinaire ? Et heureusement que j'en avais quelques-uns ce matin dans mon carnet à l'intérieur. Parce qu'elle m'a dit, voilà, la personne à qui je veux l'offrir adore voyager, elle adore le désert et tout. Et toi, tu fournis toutes les explications, le proverbe, où est-ce qu'il est venu, les tifinards, où est-ce qu'ils sont venus. Là. Donc voilà, ça fait que les cadeaux et les objets, ils ont du sens. C'est pas juste du beau, il y a le sens qui accompagne l'esthétique. Il y a le beau, il y a le beau sens. Voilà. Alors, parlons un petit peu de cette impression, parce que là, ce sont vraiment des motifs qui sont imprimés, qui sont plutôt... C'est pas ce que je voulais dire, qui sont... Il y a du relief, ce que j'ai envie de dire. Donc finalement, ce sont des tampons que vous utilisez. Ça se passe comment ? C'est tout un processus aussi. Au départ, c'était une machine laser. D'accord. Genre il y a un logiciel, je mets le symbole que je choisis soigneusement maintenant oui. que je reviens avec des histoires et des symboles de mes voyages. Et puis après, voilà, la machine laser, elle reste une machine, il n'y a pas d'âme là-dedans et tout. Mais j'ai découvert un autre artisan qui fait des tampons métalliques, par exemple. D'accord. Donc voilà, je vais le voir, je demande, est-ce que c'est possible de me faire ces tampons-là ? Il me dit oui, donc on commence par des tests, il te procure un tampon en gaz. Ces tampons-là, je les fais chauffer. Je les applique sur l'excimoire. Il y a beaucoup de pertes parce que parfois on brûle un peu trop, oui. un peu moins. Mais avec Mbad, on finit par maîtriser. Donc il y a des pertes finalement ? Toujours. Oui. C'est pour ça que l'artisanat est cher. Oui. Parce que la personne, ne te vend, avant de te vendre un produit final et beau, elle a passé par beaucoup de galères. Je me brûle souvent. Je me coupe souvent les mains. C'était la prochaine question que j'allais poser d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de. Il y a déjà toute la phase de l'apprentissage. Il y a des gens qui font des formations pour arriver à ce genre de résultat. Moi, par exemple, j'ai appris sur le tas. Donc, par exemple, j'ai commencé sur le cuir, puis après, je suis passée au cuir, puis j'ai commencé à personnaliser ces carnets. Il y a toujours de la souffrance dedans aussi, parce que parfois, on peut avoir des nuits blanches pour aller jusqu'au bout d'une idée.
On peut galérer, par exemple, pour trouver de la matière première, pour trouver mon papier. J'ai beaucoup souffert au départ. Oui, parce que le papier, on sent que ce n'est pas un papier. C'est du papier vergé. Voilà, c'est du papier vergé. Quand même aussi facilement, déjà de par la couleur, de par la texture. Mais mon rêve, c'est de pouvoir recycler mon propre papier un de ces jours. J'ai commencé au départ, je me souviens, à faire des expériences à la maison. Mais c'est éprouvant pour avoir 10 feuilles, par exemple, de papier recyclé. Il me faut 2 jours. Je me casse le dos. donc je pense que c'est un travail d'équipe. Genre plus tard, si je veux me lancer, pour parfaire ce papier, il faut aussi beaucoup travailler dessus pour que les gens puissent dessiner dessus, pour que le rendu soit beau. Donc, on ne peut pas juste vendre du papier recyclé comme on ça. On a vu d'ailleurs sur le dromadaire. Alors, on parle beaucoup de patrimoine. La Chéma, c'est un patrimoine quand même qui nous renvoie au sud, qui nous renvoie aussi à toute l'image de l'Afrique, hein, finalement, n'est-ce pas? Tout ce beau patrimoine diversifié dans ce sens. L'ami Aboud Bouda s'est intéressé, c'est notre ami, notre collègue qui s'est intéressé à une très très belle exposition qui revient sur l'héritage culturel immatériel de l'Afrique. Je vous laisse voir ce reportage, vous restez avec nous, on se retrouve juste après. Le Centre Régional pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en Afrique a organisé une formation de perfectionnement pour les experts du patrimoine de 44 pays africains. Nous les avons rencontrés lors d'une exposition intitulée « Héritage culturel immatériel d'Afrique » et qui présente un élément emblématique par pays, de sorte qu'à l'issue de la visite, on ait pris connaissance et conscience des héritages culturels africains. Vous avez vu qu'il y a plus de 30 pays qui ont classé des éléments appartenant à leur culture. Nous sommes ici à cette occasion, à l'invitation de Madame la ministre de la Culture et des Arts, et nous sommes ici parce que, comme vous le savez, l'Algérie, le Crespiaf, en collaboration et conjointement avec l'UNESCO, nous organisons un atelier de renforcement des capacités, de renforcement des compétences, des points focaux, c'est-à-dire des ministères de la culture des pays qui sont chargés de la rédaction, de l'élaboration des rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la Convention de 2003. Organisée en collaboration avec l'UNESCO, cette formation vise à améliorer les connaissances de ses experts et à s'informer des nouveaux mécanismes dans l'élaboration des rapports périodiques. L'idée était d'aider les États pour la préparation de leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, on a travaillé sur l'idée de ces rapports qui sont à la fois une feuille de route pour l'État, pour l'avenir, mais aussi un outil qui nous aide pour la première fois de recueillir des informations sur le patrimoine culturel et immatériel sur tous les pays du continent. Donc, et tout ça, ça va aussi contribuer en fait à un rapport global. Cette formation vise à renforcer les capacités et compétences des pays africains dans les domaines de l'identification, de l'inventaire, de la recherche scientifique et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Nous parcourons le formulaire. Ça permet à chaque pays de voir, de maîtriser le formulaire et de savoir comment le remplir pour être efficace dans ce travail. On est ici pour apprendre à remplir le formulaire que les points focaux doivent à chaque... Cette année, on va le remplir pour donner avant le 15 décembre. Et on est ici en Algérie parce qu'on sait tous qu'Algérie, avec le patrimoine, c'est l'exemple. Donc on est ici pour apprendre avec ces experts qui ont déjà rempli le formulaire. Cette rencontre des experts du patrimoine permet également de créer un cadre d'échange d'expériences entre les experts du continent. Nous sommes 44 pays qui ont été reçus ce renforcement de capacité. C'est un bénéfique parce que c'est l'engagement de l'État parti d'abord. Et de deux, c'est que on peut savoir exactement où on en est
surtout la préservation après l'inscription de l'élément du patrimoine culturel immatériel. L'Algérie a déjà inscrit sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO l'ehlil du Gourara, le costume féminin nuptial de Tlemcen, le rukb d'Ouled Sid Chir, la sbiba de Janet, le sbour de Timimoun et les mesureurs d'eau du Touet ainsi que le rail. L'imzad, le couscous et la calligraphie qu'elle partage avec d'autres pays. Sachez que des dossiers sont en élaboration pour le tartare et les bijoux d'Etienne. Et voilà, c'était une très très belle exposition qui se tient en ce moment au niveau du Palais de la Culture. Hella, vous êtes revenue ? Oui. Parce qu'on vous a vu, hein, complètement emportée par les images que notre amie Lamia nous a ramenées. Complètement. Ah, ça je connais, ah ça j'ai vu, ah ça. Et le patrimoine, ça va, on est de retour. C'est beau. Oui, on oui. est de retour sur le plateau. Eh bien, ça va, on est de retour sur le plateau. Et justement, M. Slimane Hachi est parmi nous. M. Hachi, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. C'est un bonheur. C'est un bonheur de venir à la télé, à toutes les émissions, de la radio nationale, la télé nationale, tout ça m'importe au plus haut point. Marhaba avec M. Hachi. Alors justement, on va revenir sur cette magnifique exposition qui se tient en ce moment au niveau du Palais de la Culture, oui. M. Hachi, justement pour, encore une fois, revenir, promouvoir, informer sur cette magnifique diversité du continent. Du continent africain. Oui, cette exposition-là que nous venons de voir, il faut aller la voir, surtout quand aujourd'hui, c'est le 5 mai, journée internationale du patrimoine africain, décrétée par l'UNESCO. Il faut y aller en masse, vraiment. Et en plus de ça, on vous offrira un catalogue, le catalogue de l'expo gratuitement. Alors, cette expo, c'est le CRESPIAF qui l'a organisée. Hein, c'est le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique qui est actif sous l'égide de l'UNESCO. En collaboration avec d'autres institutions nationales, CNRPH, ANDA, etc. Cette expo montre le patrimoine culturel immatériel des pays africains qui est inscrit sur les listes du patrimoine de l'humanité auprès de l'UNESCO. Il y a plus de 30 pays qui ont inscrit des éléments. Mmh. Donc vous avez, évidemment, on a exposé tous les patrimoines inscrits par l'Algérie. L'Algérie a la part du lion dans cette exposition. On se rappelle votre combat pour le couscous, pour l'ahlil, pour le rail, pour beaucoup d'autres éléments du patrimoine d'ailleurs. Parce que cette convention a la particularité d'être une convention de nature scientifique, de nature anthropologique. C'est une convention dont la mise en œuvre appelle de la compétence, appelle de l'expertise, appelle de la science, quoi. Le montage des dossiers, et l'Algérie ne se trompe pas, comme beaucoup de pays d'ailleurs, en confiant le montage de ces dossiers à des institutions de recherche scientifique parmi lesquelles le CNRPH et le CRESPIAF. Parce que ce sont des dossiers, ce sont des choses, des faits, des pratiques, des représentations, des systèmes symboliques profondément ancrés dans l'histoire dont il faut commencer la description, il faut les décrire, remonter le temps pour voir comment ça a changé, d'où c'est venu, comment ça a diffusé, etc. Donc faire une vraie carte d'identité de cet élément-là. En plus du fait que ces éléments-là, quand ils sont inscrits au patrimoine de l'humanité, vont être constitutifs de l'identité culturelle, patrimoniale, planétaire. Quand vous faites rentrer le rail, par exemple, dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, du coup, vous le faites rentrer parmi les grands majestueux de la planète. Vous le faites cheminer auprès du gospel, auprès du jazz, auprès du reggae, auprès du fado. Donc, quand vous faites rentrer un élément comme cela, c'est une chose très sérieuse, très importante, parce que par ce fait, vous participez à la définition de l'identité humaine. Et l'immortalisation aussi. Et l'immortalisation, bien sûr. De l'élément lui-même. Aujourd'hui, Monsieur Hachi, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de la contribution des jeunes? Parce qu'on sent quand même qu'il y a un retour de la jeunesse algérienne.
algérienne vers le patrimoine, oui. Elle est parmi les Oui, c'est planétaire. C'est excellent. C'est très bien. C'est très bien parce que on ne peut pas vivre dans le formatage, dans l'uniforme, oui. Dans l'homogène, parce que l'humanité, ce qui la caractérise, c'est sa diversité, n'est-ce pas? Et le continent africain est un gisement. Quasi inépuisable de diversité. Oui. C'est un gisement quasi complètement ouvert de mythologie, de récits de fondation, de mythes, de musique, de rythme, de danse, de représentation du monde, de vision du monde, etc. Et c'est cela qu'il faut sauvegarder, c'est cela qu'il faut diffuser, c'est ça qui va constituer l'identité culturelle. Patrimonial de l'humanité dès aujourd'hui. C'est pas pour demain. Aujourd'hui, déjà, grâce à cette convention, on commence à voir se dessiner progressivement, prendre forme progressivement sous nos yeux, et nous sommes heureux d'être les contemporains de cette opération-là, sous nos yeux se dessiner l'image de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui fait quelle est l'humanité ? Ben c'est ses rythmes, ses danses, ses musiques, ses façons de s'habiller, de se montrer, de s'exhiber, de croire, de marcher, de vivre, de consommer, oui. De manger. Vous savez, pareil, quand on a inscrit le couscous, moi je me bats contre le fait de... Contre, il ne faut pas que le couscous, ce n'est pas un art culinaire, ce n'est pas un petit fait ethnographique, c'est autre chose que cela, c'est quelque chose qui fait notre commensalité, c'est autour du couscous que nous tous nous regroupons. Qu'est-ce qui fait la culture ? Un aliment, un plat complètement fédérateur. Bien sûr, c'est un fait anthropologique, oui. C'est pas un art culinaire, c'est aussi, ça l'est aussi, ce n'est pas un fait ethnographique, ce n'est pas un plat, ce n'est pas un mets, c'est l'identité, c'est notre identité, c'est ce qui fait que c'est la chose, l'élément. C'est l'être autour duquel on se retrouve. Effectivement. Bien sûr, notre commensalité. Je suis vraiment désolée, nous arrivons à la fin de l'émission. Voilà, donc cette exposition-là que vous venez de voir a été organisée à l'occasion du mois du patrimoine, bien sûr, et de la tenue de cet important atelier où nous avons regroupé, fait exceptionnel, 44 États du continent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hachi. Vraiment, ça a été un plaisir. Hela, merci beaucoup. Très belle continuation. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain à partir de 8h. Au revoir. Bonjour.